Hola! Hola à tous et bon comeback sur Anima Gaming FR et sur Return to the Skyway! Retourne dans la voie du ciel! Enfin, je dis ça, mais après ça veut peut-être pas dire ça, Skyway, la voie du ciel? Bah, qu'importe! Let's go! Petit jeu plateforme 2D normalement. Ce n'est pas une démo, c'est un jeu gratuit. Ou peut-être que c'est pour l'instant. Donc apparemment, il faut passer le clavier en anglais. D'ailleurs, au cas où, parce que je vous dis sur Steam, je vois très souvent ça. Moi, je l'ai mis dans la petite barre de Windows, juste à côté de comment ça s'appelle de la batterie. C'est-à-dire, en fait. J'ai juste à sélectionner la langue, et à partir de là, en fait, je peux repasser mon clavier en anglais. Donc, quand vous voyez, ouais, il y a des touches, c'est A, S, D, W pour se déplacer, parce que voilà, c'est un jeu en QWERTY. Vous pouvez passer votre clavier en QWERTY sans avoir à faire des manipulations ou aller acheter un clavier en mode en Angleterre ou j'en sais rien. On peut aller jusqu'en haut? Non, je veux voir si je peux grimper sur les arbres. Donc je trouve ça vraiment dommage quand je vois qu'il y a des gens qui sont prêts à passer à côté d'un jeu, même parfois des gens qui ont payé le jeu en mode vas-y, je suis pas capable de faire une manipulation, donc c'est à cause du jeu. Grab to click. Ok, je peux ramasser des. Et hold on. Ok, ça donne la direction et la puissance. Bah de Dieu! En fait, je suis mécanique. Bon, ça, c'est parce que je crois l'avoir vu dans la vidéo. Attendez, on va essayer. Je crois que ces saloperies me tuent. Voilà. Ça, c'est de la mauvaise herbe. Ça, c'est épineux. Et du coup, normalement, il me semble que toc toc. Ah merde, alors, il faut que j'y mette toute la puissance. Grab, 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 grab. Ou jette ça au-dessus? Attends, hold, c'est quoi déjà? C'est en l'air, non? Ou c'est... Vas-y, on va essayer de voir avec la puissance déjà. Ouais, c'était ça, c'était ça. Mais ça a l'air mignon comme jeu tout plein. Sympatoche. Et du coup, ma créature. Parce qu'il me semble que les trucs comme ça aussi, j'avais vu dans la vidéo que je pouvais les détruire. Et du coup, j'ai plus de créature. Je peux en trouver une autre? Ah, il y en a une autre. Vas-y, on va voir si avec ça je peux tout casser, même la pierre. Claquette, chaussettes à l'école. Doit-on géliférer sur les tenues scolaires? Oui. Waouh, il y a comment dire. Merde, je l'ai lâché. Ok. Il y a quand même, je sais pas, des limites à pas dépasser. Faut arrêter les conneries à un moment. Claquette, chaussettes. Qu'est-ce que tu veux répondre à ça? Allez, on va essayer pleine puissance. Ok, donc faudra peut-être que je revienne. Ah bah, il y en a un autre là. Attends, c'est quoi le délire? Ah bah, que suis-je bête? Je l'avais même pas vu, j'étais trop absorbé par le caillou. Excusez-moi. Mais ouais, à un moment, faut arrêter les conneries aussi. Et pourquoi pas venir à poil, hein. Non, je suis étonné qu'ils soient encore sur ce sujet-là. D'ailleurs, ça m'a fait un petit peu marrer parce que le moment où j'ai arrêté le sujet, c'était un petit peu en mode... Ouais, en un sens, rien n'est écrit dans le règlement. Rien n'est interdit d'y aller comme ça. Parce que, oui, avant, il n'y avait pas besoin de le préciser. Les gens n'étaient pas des sous-merdes, quoi. Ils pouvaient faire des trucs bien sans faire de la merde, en fait. J'ai l'impression qu'il faudrait que je coupe une des lianes. Attends, après, on va essayer de bouger de là. C'est peut-être pas ça. Non, ben, je sais pas. Pour l'instant, je ne sais pas ouvrir. Mais c'est comme à un moment dans leurs arguments, c'est comme en un sens, rien ne t'empêche d'aller à l'église en claquette chaussette.
Oui, rien ne t'empêche, y a rien qui dit que dans une église, t'as pas le droit de rentrer en claquettes chaussettes. Mais tu verras jamais quelqu'un rentrer en claquettes chaussettes. Pourquoi? Parce qu'il faudrait vraiment avoir 2 ronds de moralité ou être un gros con pour ça. C'est ça aujourd'hui en fait, c'est limite si on n'en arrive pas à un point, il faut préciser dans les règles le bon sens. Avant, il y a. Non, il fallait juste pas être un trou de balle. Maintenant, pour préciser, écrire dans le règlement, ne pas être un trou de balle. Franchement, y en a, ils sont forts, hein. Ça, c'est quoi? Donc, ça, c'est des interrupteurs. Pourquoi y a le truc qui a bougé en bas? Attends. Je vais d'abord aller voir là-bas. J'ai ma petite créature, j'ai l'impression qu'il sert à rien. Donc, toc, toc. Et le coup aussi, bah tiens, là c'est quoi la croix? Parce qu'à un moment, l'argument, c'était aussi, ouais, mais tu vas pas mettre des gens sous 30 degrés, les obliger à mettre des baskets et des chaussettes? Ben, j'ai envie de dire, toutes les générations ont toujours fait ça, ou chaussures, chaussettes. Et vous savez, un truc qui était bien avec ça? C'est que, quand il faisait 30 degrés, au moins, t'avais pas des gens qui puaient la mort, qui puaient les pieds constamment, parce que tu comprends, ils étaient en chaussettes. Tu vois, la connasse qui vient de dire ouvertement, ouais, pour mon confort, je veux bien être désagréable avec tout le monde. Peu importe si j'ai pas de chaussettes, que je pue des pieds, que je suis une grosse dégueulasse, une souillonne. Non, 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 mon confort va avant celui des autres. Mais je dis ça par solidarité, bien sûr. Donc ça bute. Oh putain, c'est le tatou de la mort quand même, c'est. Et du coup, ça veut dire quoi que j'ai un troisième saut? C'est quoi ça en fait? J'ai eu quelque chose. Bon, je sais pas, mais je l'ai eu. On va refaire le tour, on va tout casser de toute façon. Le tatou! Le tatou! C'est un tatou Pokémon, hein. Il est un peu étrange. C'est entre le tatou et le Varan, ce truc, je sais pas ce que c'est. Donc j'ai cassé ça pour rien? Non, non, rien, rien. Ok, bon bah. Tadam. Non, ouais, pour l'instant, pour un petit jeu gratuit, c'est largement mieux que le dernier jeu que j'ai fait, le truc infâme. J'en ai même oublié le nom. Vous étiez juste un cube, là, il fallait se déplacer. What? Ok, c'est bon, ça. Oh, ça marchait, ça marchait. Ok. En fait, j'ai l'impression que ça va être mon côté perfectionniste qui va être chiant parce que par exemple là, je vois bien qu'il n'y a rien, mais j'ai bien envie de péter. Pourquoi ils mettent des trucs s'il n'y a rien? Oh ouais, je confirme, mais c'est. What? Alors j'ai envie d'essayer des trucs, de toute façon, j'ai pas de la vie. Et du coup, je peux me balader en dessous. Chelou, chelou. Tiens, on va essayer une dernière fois de l'autre côté. Je vois au plus loin. Est-ce qu'il y a quelque chose à atteindre? Non. Non, ben. Je ne comprends pas, mais ce n'est pas grave. Quelque chose en haut. Je peux pas aller plus haut. Non. Bon, allez, vu qu'on est là, on va te prendre. Quand même, c'est un peu du kidnapping ce que je fais, non? J'arrive, je prends des créatures, je les jette. J'irais même qu'on est sur de la maltraitance animale, là.
En plus, le fait de le voir transpercer le sol après et mourir comme un caca, ça me fait mal. J'ai honte. Et ça, tous les coups, c'est le truc là qui est tombé. Même pas. Je comprends pas. Il y a certains trucs, je comprends pas ce qu'ils activent. Bon, je peux monter. Ouais, je vais pas chercher de créature. Ville créature. Ah, je vais peut-être devoir y aller finalement. Sauf si on a une juste là qui m'évitera à faire d'innombrables détours. Allez. Tout cassé, ce ne sont même pas les êtres humains. Chanson interdite. Tiens, Florian Philippot, ça faisait longtemps que je l'avais pas vu. Bah, c'est un rare politicien que j'aime bien. Parce que c'est un des rares qui, justement, dit ce qu'il pense et généralement a une certaine logique. La dernière fois que je l'ai vu, justement, c'était en mode. Bah, je crois que c'était dans Touche pas à mon poste. Il avait été invité. Au moins, tu vois que c'est le genre de mec qui a les couilles de dire ce qu'il pense du président. Et puis, il s'avère qu'il y a beaucoup de choses qu'on pense en commun aussi. À un moment, effectivement, c'est quelqu'un qui va rechercher les bilans et tout ce qu'il y a derrière. Donc finalement, ce qui est cool... Comment dire... Bah, c'est déjà qu'il retourne jamais sa... Je me rappelle pas l'avoir vu retourner sa veste. Et ce qu'il dit, en général, il le fait où ça se produit. Regardez un truc que je vous parle depuis le début du conflit russo-ukrainien. C'est qu'à chaque fois que des sanctions ont été menées contre la Russie a été gagnante. Et là, justement, il vient de dire, ouais, bah, effectivement, il vient d'avoir encore les dernières annonces. Finalement, d'un point de vue économique, la Russie ne s'est jamais autant gavée avec leur gaz, parce que finalement, ils le revendent plus cher et à d'autres. Et nous, qui étons les plus grands producteurs de, comment ça s'appelle d'électricité en Europe, aujourd'hui on est des guignols. On n'a plus assez d'électricité pour nous et limite on a même passé des contrats en mode ouais, si les Allemands sont dans la galère, on va leur revendre notre gaz. Ah bah merde. Donc en fait, on n'a pas assez, on va déjà payer plus cher et on a déjà des contrats qui disent bah au pire, si y en manque, c'est pas pour nous. Mais c'est génial la vie. C'est génial. Et c'est notre président. Mais après, c'est encore des trucs que moi je regarde d'un œil et ça me fait plus ou moins marrer. Parce que je sais qu'en un sens, je vais pas réellement payer. C'est pas bien, hein, mais. J'en suis conscient. Moi, je suis le genre de mec qui passe tous ses hivers en général avec. Le volet fermé, mais la fenêtre ouverte. Parce que j'adore le frais. J'aime pas le vent, mais j'adore le frais. Donc justement, moi j'ai envie de dire, s'il y a des coupures de chauffage, tout ce que j'espère c'est qu'ils feront pas des grosses coupures d'électricité en mode t'as plus internet ou tu rentres chez toi, tu vois, t'as plus de batterie et ah bah merde, tu peux pas recharger, ça serait chiant. Mais soyons honnêtes, c'est pas moi qui vais crever de froid cet hiver. Hein. Pourquoi j'ai l'impression de pouvoir rentrer dedans? Je l'ai activé ce truc? Je sais pas. Bon, en tout cas, je vais chercher un dernier tatou et on va descendre. Bah, du coup, je récolte des items, mais je sais pas pourquoi. Licencié par un robot. Ah, j'avais vu ça. Ils l'ont déjà fini ce sujet là, le prochain c'est après.
J'en avais vite fait entendu parler, mais je me rappelle plus c'est quelle entreprise. Apparemment, effectivement, ils avaient pris une sorte d'algorithme en mode bah vas-y, tu vas calculer qui sont les gens les moins efficaces de l'entreprise. Mais le truc, c'est que justement, quand tu mets dans un algorithme, c'est rare au début qu'ils puissent prendre tout en considération, tout ça. Donc apparemment, il y a des gens, parce que voilà, ils n'étaient pas du genre à fonctionner beaucoup sous mail ou quoi que ce soit, qu'ils étaient plus du direct et tout, et ben l'algorithme a considéré qu'il y avait moins d'échanges avec eux, donc de ce fait qu'ils étaient moins efficaces que d'autres, et de ce fait que c'était eux qui devaient être virés. Mais vous imaginez, vous retrouvez viré du jour au lendemain parce qu'un robot, même pas une personne, l'a décidé, et en mode moi je m'enfuis, hein. Quand je vois ça, je fuis. Mais aussi un petit peu en mode il n'y a aucun humain, c'est. Parce que limite, un humain, il peut le voir. Si vous glandez rien, il peut voir vos résultats, il peut voir vos bilans, même si il n'y a pas de mail qui ont été envoyés. Alors que là, comment voulez-vous qu'il vérifie en fait? Et donc, je crois que c'était près de 60, voire 70 personnes qui, du jour au lendemain, ont reçu un mail d'un robot leur disant « Vous êtes viré, au revoir !» Pareil, je sais plus c'était quelle entreprise ni dans quel pays. Ça doit bien être un truc américain, ça. Mais bon, comme beaucoup de trucs, hein, ça commence là-bas et ça arrive ici. Hein. Bon. Pendant une seconde, je me suis dit « Ah, il n'arrivera pas à passer. » Oh bah franchement c'était plutôt mignon, plutôt sympa comme jeu. Il prend pas de place, le nom sera dans la description, dans le titre de la vidéo comme d'hab. Mais honnêtement, c'est gratuit, c'est sur Steam, c'est sympa. Bon après, est-ce qu'il y a une grosse rejouabilité? Je pense pas si vous avez regardé toute la vidéo passion. Mais franchement, à envoyer à vos potes, voyez, je sais pas. Sur Steam, je sais qu'on peut acheter des jeux pour d'autres gens. Mais c'est vrai que j'ai jamais essayé d'envoyer des jeux gratos aux autres gens. Peut-être envoyer le lien, j'en sais rien. Bon, comme d'hab, j'espère que vous avez kiffé. 17 minutes, vraiment court. Mais bon. Des bisous, plein de bonnes choses, amour, santé, argent. Et si vous avez kiffé, ben pouce bleu, abonnement, partage, c'est ce qui fera vivre la chaîne. Allez, à bientôt, ciao.